bienvenue sur Meilleur Placement pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 22 janvier. C'était intéressant quand même hier de voir à Davos, ben, d'un côté Donald Trump et puis 2 heures après Greta Thunberg. On avait l'impression qu'ils se parlaient, mais bien évidemment ils ne se sont pas croisés. Ils ont parlé climat. Pour l'un, ils dénoncent les annonceurs d'apocalypse alarmistes. Bien évidemment, d'abord, il a fait son bilan économique en disant qu'il avait créé un geyser d'opportunités avec la croissance économique qui était dormante avant qu'il arrive. Et puis, il a parlé climat et donc il a évidemment dénoncé les prophètes of dooms, les prévisions d'apocalypse. Et puis en face, Greta Thunberg qui a dit, bah, contrairement à vous, notre génération n'abandonnera pas la lutte. Rien n'a été fait alors que la planète et on fire. C'était assez intéressant, ces deux visions extrêmes, hein, deux générations, deux mondes, deux oppositions fortes, et puis on verra qui a raison. Encore une reculade, hein. Alors hier le secrétaire au trésor américain a rencontré Bruno Le Maire, et puis vous savez cette taxe GAFA dont on se targuait, on allait faire plier l'Amérique. Ben, finalement, juste avec une menace de taxation des vins français, on a laissé tomber. Alors c'est temporaire, hein. C'est comme la réforme des retraites, quoi. On repousse ça cette année, donc il n'y a pas de taxe GAFA, puis on verra l'année prochaine, puis on n'aura pas l'année prochaine, et puis ainsi de suite. Puis on va durer probablement jusqu'en 2067, qui est la date de mise en place de la réforme des retraites. Coronavirus, bon, c'est clair, les jeunes traders et investisseurs ont dû se replonger dans l'histoire d'après-guerre en 2003, pour retrouver ce qu'avait fait le SRAS sur les marchés, et ça avait fait baisser ben, les valeurs du luxe, les valeurs du tourisme, les valeurs du voyage. Enfin, ils ont fait la même chose, sauf aujourd'hui, comme il y a les banques centrales, ben, quand on baissait de 5%, ben, là, on baisse de 1%. J'ai découvert Havas. Havas, c'est une ONG dite du cyber-ONG, qui est un mouvement démocratique supranational qui essaye de lutter contre le réchauffement climatique, la pauvreté, voilà. Et donc, je dis ça parce qu'ils ont fait une publicité absolument énorme dans le Financial Times, Red Hot Returns. Donc on voit, ben, c'est l'Australie qui est en train de brûler des têtes d'enfants. Et puis Jamie Dimon, le patron de la banque JP Morgan, et il dénonce que JP Morgan comme étant la banque du réchauffement climatique. Voilà. Les élections américaines, ça y est, il y a un sondage qui a été fait par la Bank of America auprès des gérants de fonds, et ça y est, c'est le premier sujet de préoccupation, c'est devenu les élections américaines et plus la guerre commerciale. Le record du jour, bon, on en a marre de vous le dire, c'est le livret A, c'est les livrets, les chiffres sont faramineux. Fin 2019, on a des chiffres qui explosent tous les plafonds, et puis si on rajoute à ça l'argent, on est sur en liquide et en cash qui dort dans vos banques, on est quasiment à 600 milliards d'euros. 600 milliards d'euros qui rapportent zéro, plus ce qui va rapporter bientôt 0,5. Bon, tout ça pourrait aller bien évidemment sur des fonds en euros de contrats d'assurance vie. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Moi, je vous souhaite une excellente journée.